Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sama Ask. C'est l'épisode je ne sais combien, je ne sais même plus. Alors on se retrouve dans le. C'est la zone VIP sur Sama Games si vous demandez. Avec les maps en test. Donc là on a une nouvelle map Dimension en test et il y a des gens qui ont déjà join, donc je vais vite la join avant qu'elle soit totalement full. Ah, ok, c'est ambiance tropique ou je sais pas quoi. Alors on a la première personne avec nous, on a Gogoise. Salut Gogoise. C'est Gojwal, pardon. Gogoise. Ah oui. Bonjour. Gogoise. Non, c'est pas mal Gogoise, hein. Non, non. Pas champion, moi. Ouais. J'avais une première question. Oui. Tu as joué à Civilization. Est-ce que tu vois d'autres jeux de stratégie? Par exemple, Age of Empires, Heroes, Might of Magic, des trucs comme ça. Oui, pourquoi pas. Enfin, oui, il y a des jeux que j'aime bien. Heroes, j'aime assez bien en général. Il y a un 3 remixé en quelque sorte. C'est pas vraiment remixé, mais refait au goût du jour. Enfin, pas vraiment, même pas en fait. Mais il y en a un qui doit ressortir, qui a l'air pas trop. Enfin, ça me permettra d'y rejoindre en fait. Parce que le gros problème à jouer avec des anciens jeux, c'est. T'arrives et puis t'as le truc, il est en 4 tiers. Il prend même pas tout ton écran en 16/9. Et puis tu es là. C'est moche quoi, t'sais. Bah c'est le Donc. problème avec les anciens jeux en fait. Du coup. Ouais, je regarde. En fait, le problème, c'est pas juste. Il y a les jeux que j'aime bien, les jeux que les gens aiment bien, et il y a des jeux qui passent bien aussi sur YouTube. Parce qu'il y a des jeux qui passent très mal sur YouTube. C'est juste. Il y a des jeux. Non, c'est même pas possible. Notamment, par exemple, je sais pas. Vous faites. Bah, les MMO passent très mal sur YouTube. Par contre, en stream, ça passe. Tu vois, ce genre de truc. Donc, il faut que j'éclipse ça, quoi. Et puis, il faut que je vois que les gens. Faut que je vois s'il y a des gens qui sont intéressés, tout simplement. Je sais bien que Civilization, il y a une certaine personne qui sont intéressées, donc ça va. Et puis en plus, c'est une population fixe. Donc il y a souvent le même nombre de vues, le même nombre de likes sur les vidéos, donc ça c'est cool. Et du coup, bah, là je sais, ah, j'ai pas trop de problèmes à faire une nouvelle saison de Civilization ou autre chose, parce que je sais bien qu'il y a toujours le même public et tout le monde sera content d'avoir une nouvelle saison de Civilization. Mais le problème, c'est que. C'est vraiment trouver un nouveau jeu. C'est chercher quoi, je dois tester, voir un jeu qui plaît aux gens. Et c'est dur. Parce que des fois les gens recherchent pas forcément la même chose que moi. Des fois ils recherchent peut-être du skill. Je pense notamment si je faisais du StarCraft, ben là ils rechercheraient du skill certainement. Puis il y a d'autres jeux où ils cherchent juste du fun. Et je reste quand même quelqu'un d'assez calme et de s'est posé. Je vais pas commencer à me mettre à bouffer de rire ou je sais pas quoi, à raconter des blagues de merde quoi. Enfin, si je raconte des blagues de merde, mais ça, c'est différent. Mais Oui, ouais. je comprends, hein. Je comprends. Il y a des jeux qui prêtent Et... à rigoler comme un con, quoi. C'est-à-dire, si tu joues à Goat Simulator, tu vas pas le faire sérieusement, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, tu vas rigoler. Voilà. C'est fun, c'est. Voilà, ça va, quoi. Mais ouais, moi, je suis pas trop comme ça, donc il faut que je trouve des jeux en conséquence, ouais. Civilization est vraiment pas mal. Il s'adapte bien aux vidéos. Ce qui est prenant, c'est que chaque personne qui joue à Civilization a sa propre histoire en quelque sorte. Et du coup, ça passe hyper bien en vidéo, j'aime bien. C'est fun d'y jouer, c'est fun de regarder, je trouve. Donc, ouais, ça je continuerai. Donc, j'aimerais bien en fait trouver un jeu un peu comme ça. Et ce sera nickel. Ok, ils ont déjà vidé tous les coffres, ces enfoirés. Hein. Vache! Je vais repasser dans le monde normal. Hop! Ok! C'est très la bataille. Je vois quelqu'un enchanté là-bas. Si j'arrive à le surprendre, je pourrais le défoncer plus vite. Ok. Donc j'avais une What? deuxième question à te poser, si je peux. Ouais, tu peux y aller. Oh fuck! Quelqu'un m'enchaîne! Non! Il m'a tué! Bon. Ah mince. C'est pas grave, vas-y, pose ta question. Donc quel genre de mode présentes-tu dans tes modes Spotlight? Est-ce que c'est plutôt des modes vanilla ou complexes des modes qui correspondent bien au vanilla ou vraiment complexes comme les modes qu'il y a sur FTP, par exemple. Je vais varier. Je pense que je vais prendre par exemple de temps en temps un mode plus décoration, puis un mode un peu plus changement de gameplay, puis un mode plus peut-être génération de map, et puis un mode peut-être un peu plus.
technique, ou alors, enfin, je vais varier en fait les plaisirs et faire un peu de temps en temps différemment pour que ce soit plus intéressant. Mais je n'irai jamais non plus, ça c'est pratiquement sûr, je ne ferai jamais des modes spoilers sur les gros modes complexes parce que, premièrement, ça prendrait genre trois, bien souvent ces modes, il me faudrait trois épisodes pour les compléter. Je vais aller lancer une autre partie de Dimensions aussi pendant ce temps-là, tant que j'y pense. Et il faudrait genre trois vidéos, tu vois, trois parties de genre même limite 30 minutes pour compléter, vraiment à parler de manière complète d'un mode, et sans pour autant aller trop dans les détails, c'est ça le pire. Donc ouais, je vais éviter ce genre de mode, mais ça peut arriver qu'il y ait un mode qui prendra deux parties, ça je dis pas. Mais bon, j'éviterai quand même. Ok, alors. J'ai lancé une game, je crois que je suis peut-être pas dans le bon lobby. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Des mods qui me semblent pas mal pour ça, en tout cas. Ok, d'accord. Bah, merci de m'avoir laissé la liberté de m'exprimer. Bah de Voilà. rien, ça fait plaisir. N'hésite pas Donc, à venir bah, poser des questions si t'en as d'autres. Ok, d'accord. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à À toi plus aussi, tard. salut. Ok, alors on va passer directement à la prochaine personne pendant que ça join. Vous avez vu quel panneau j'ai join, c'était le 15 je pense, Dimension. Donc ceux sur le live, vous avez votre chance de join maintenant, tout de suite. Hop, Vu que la Rusty de plupart des gens feu, étaient de votre tu peux parler. part. De quoi? Non, je disais la personne que j'ai démute et Ok, qui voulait Rusty parler. de feu, salut. Salut, salut. Bonsoir. 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 Ça va? Ça va, très bien et toi? Ça va, ça va. Alors j'ai l'impression de lag, donc excusez-moi No problemo. si je lag. Donc je voulais déjà te féliciter pour tout ton parcours que t'avais fait. Bah merci à toi. Et puis C'est gentil. te Yep. féliciter spécialement pour comment tous les projets que tu fais, c'est-à-dire tu as proposé des sessions de questions-réponses sur Mumble, ou tu l'as fait, enfin la CTS, mais tu l'as fait. Yep. Tu as comment tu as dit que tu ferais des reviews de mode, tu l'as fait. Donc je trouve ça très bien de ta part de. Et puis De c'est pas tenir mes été quelque chose. promesses, oui. Ouais, c'est pas Bah, c'est quelque chose parce que que t'as des fait. fois j'ai pas forcément tenu mes promesses. Ouais, des fois il me faut du temps pour tenir ma promesse. Mais je tiens à, en fait, quand ça sort, que ce soit bon, quoi. Mais c'est pas toujours facile, mais bon, j'essaye de faire un peu plus plaisir à tout le monde. Par exemple, le serveur, je veux dire, c'est clairement un moyen, je pense, de me rapprocher de ma communauté, de faire un peu plaisir. Et comme j'ai déjà dit, de toute façon, on a une association derrière, donc c'est pas comme si je gagnais de l'argent. L'argent du serveur va dans le serveur, de toute manière. Et c'est vraiment pour moi, juste pour le pur plaisir de faire plaisir, tout simplement. Et c'est pas forcément. Je sais très bien, mais en plus, c'est pas forcément le genre de truc qui plaira à tout le monde. Mais c'est juste de me dire, ah bah tiens, j'ai la possibilité de le faire, mais je vais le faire pour faire plaisir à une partie des gens. Et voilà quoi. Il y a plein de projets comme ça. Les reviews de mode aussi. Comme j'ai beaucoup de gens qui viennent de FTP, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le mode, donc je me suis dit. Puis en plus, comme j'avais dit, avec les snapshots qui traînent, qui traînent, qui traînent, Ouais. pour retrouver du plaisir dans le jeu, rien de mieux que des mods. Donc voilà. Oh. Bah, je voulais justement te féliciter pour ça et enchaîner sur une question Ok. relative à ça. C'est déjà une question pas très sérieuse. Est-ce que tu feras un projet anti-frites au four? Pas con, je pourrais faire une vidéo anti-frites au four. Genre les dangers de la frite au four. Ouais. J'ai un On m'envoie que je suis projet pas le que seul à y j'ai penser. déjà teasé plusieurs fois mais que je trouve pas encore le temps de faire, surtout en ce moment. Pour vous dire le gros problème pour YouTube actuellement, c'est que le mois de janvier est horrible niveau paiement, genre. Et les derniers mois ont été aussi particulièrement horribles alors que normalement décembre est toujours un mois où, en fait, décembre vous faites plusieurs limites mois, et puis ça compense le fait que janvier soit merdique. Sauf que là, ça n'a pas été du tout le cas. Ils ont été tous merdiques. Décembre a juste été moins merdique que les autres. Et du coup, ouais, donc je veux dire, si je lance des projets sur YouTube, c'est. Faut être logique, c'est. Au final, ça me profite pas réellement, donc je préfère les attendre pour les faire plus tard quand YouTube aura décidé de repayer normalement pour que j'ai l'argent dont je veux dire mon investissement quoi, ressources investissement. Parce que si je passe 10 heures à faire une vidéo,
Faut pas que je gagne 20$ dessus, quoi. Sinon, je suis un peu dans la merde, quoi. Je vois bien. C'est pour ça qu'il y aura plus de live. Je vais faire beaucoup plus de live. Tout simplement pour compenser YouTube pour le moment. Mais de toute façon, je comptais aussi faire plus de live, quoi qu'il arrive. Mais ouais, Faut il pas faut. Ouais, vas-y. dire ça, il y en a encore qui vont dire il y a trop de live, il y a trop de Ne regarde pas et puis c'est bon. De toute façon, le planning vidéo est complet là. Il y a une vidéo tous les jours. J'ai même complété avec quelques trucs en plus pour les plus passionnés. Et j'ai crashé dans le Dimension, c'est génial. What? What, what, what? C'était quoi ça? Ok, c'est magnifique. Un magnifique crash pendant le jeu. Oh, c'est bon, je vais faire un upper void. De toute façon, je fais toujours des upper void. Par contre, il va complètement laguer parce que je suis en upper void. C'est pas grave. Ouais. Dimension qui a bugué, faudrait voir. Avec Xiop. Alors, on vient de l'update en 1.8, donc c'est normal s'il recommence à avoir des bugs. Parce qu'on avait passé beaucoup de temps à le corriger les bugs de 1.7, maintenant on doit le corriger parce qu'il est passé en 1.8, c'est génial. Ah là là. Ah oui, Quel plaisir de faire un serveur. 1.8 est énormément bugué. Bah, Ok, lui il est déconnecté. ce qui me retient de jouer sur 1.8, ce serait les bugs Ok, lui aussi il est d'affichage. déconnecté. What? What? Est-ce qu'il vient de juste. Il vient de tuer tous les serveurs, j'ai l'impression. P whitelist, not whitelisted, non? Non, non, là en fait je vois aucun upper void disponible. C'est génial en pleine vidéo. Ouais. Je sais pas si t'as une autre question du coup. Ouais, je voulais passer à la question sérieuse, c'était. Est-ce que tu avais d'autres projets comme ça prévus? Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que tu ne veux pas nous en parler? Je préfère pas en parler parce que je sais pas si je peux les garantir. Il y a certaines choses que je peux parler, par exemple que j'essaye de refaire le design de la chaîne depuis je ne sais combien de temps et que je trouve pas encore quelqu'un qui arrive à avoir quelque chose qui me tape dans les yeux en quelque sorte. Parce que faut être honnête quoi, il y a énormément de graphistes sur YouTube, mais il y en a très peu qui se débrouillent vraiment bien. Et surtout, le truc qui fait vraiment voir si c'est un vrai graphiste, c'est un vrai graphiste professionnel, on va dire, ou même qui est peut-être amateur mais qui se débrouille très bien. Vous lui décrivez quelque chose, il arrivera à décortiquer votre demande et arriver à faire quelque chose qui vous plaît. Alors que un graphiste plus amateur, bah lui, il ne sait pas. Tu vas lui dire quelque chose, il va faire totalement autre chose, et il va pas comprendre ce que tu voulais faire. Et c'est ça le problème. Hop. Ok. J'ai failli mourir. Je suis mort. C'est génial. Oh oui. Donc ouais, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui se débrouille bien. Et surtout qu'il y a le temps, ça c'est encore plus compliqué parce que les gens qui se débrouillent sont des fois disponibles mais ils n'ont pas forcément énormément de temps. Ou alors ils sont pas. Il y a aussi le truc c'est que chaque graphiste a un peu son style et des fois ben, le style d'un certain graphiste ne nous plaît pas de toute manière quoi. Ça arrive quoi. Et c'est aussi ça le problème quoi. Donc j'essaie de trouver quelqu'un. Pas facile. J'ai déjà eu pas mal de graphistes sur Skype mais bon. Ça finit toujours sans nouvelles ou alors avec des trucs qui ne correspondent vraiment pas à quelque chose que j'aime bien et du coup je me dis ouais, c'est pas vraiment génial. Puis c'est pas facile aussi de dire. Enfin, le problème c'est que ils doivent faire quelque chose pour me rendre compte si c'est bien, mais du coup ils doivent travailler aussi bien pour rien et c'est ça que j'aime pas trop non plus quoi. C'est j'aime pas faire travailler quelqu'un pour quelque chose qui ne servira à rien quoi. Mais le problème c'est que je suis obligé ou sinon. Je vais pas juste dire ok tu m'as fait ça mais je suis maintenant obligé de l'utiliser puis je vais avoir je ne sais combien de nouveaux designs de chaîne toutes les semaines parce que je les mets toujours en place pour faire plaisir aux gens quoi. Enfin c'est pas facile franchement. J'essaye mais. Du coup si. J'en profite si vous êtes graphiste qui se débrouille très bien, je parle de quelqu'un qui est d'autodidacte qui fait ça depuis plusieurs années et qui touche quand même au milieu, s'il vous plaît ne venez pas me voir si. Ah bah j'ai gagné. Ne venez pas me voir si c'est. Si vous êtes quelqu'un qui a fait juste ça depuis 3 mois et qui pense bien débrouiller, je veux dire, faut un minimum d'expérience quoi, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps et de me faire perdre mon temps parce qu'on va perdre du temps tous les deux de toute manière. Donc voilà, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail de contact sur la chaîne YouTube. Mais bon, je vous préviens, je suis très exigeant. Mais c'est parce que je suis aussi très exigeant envers moi et envers les autres. C'est surtout envers moi que je suis le plus exigeant, c'est ça le pire. Alors, on va faire un autre quake pendant ce temps-là. Nous voilà, j'ai dû encore dériver de je ne sais combien de kilomètres, c'est génial. Si j'étais dans un bateau, je finirais en plein milieu du Pacifique, en partant de l'Atlantique.
Je suis à peu près sûr, ça. Je dérive tellement. Est-ce que Rudy Feu est toujours là, en fait? Rudy Feu! Est-il mort? J'ai l'impression qu'il est En tout cas, mort. il a encore Ah, oui, t'es là, sinon. c'est bon. Oui. J'ai tellement dérivé qu'il s'est endormi. Ok, c'est cool, merci, au revoir. C'est sympa. J'ai atteint un nouveau niveau de dérivation. C'est Achievement Get, dérivation, tu endors les gens. C'est génial. J'adore ça. Hop, prenez des grenades. Il C'est y a quelque bon. chose à faire là-dedans, il y a quelque chose à développer. L'hypnose, tout ça. Ouais, je pourrais. Ah oui, je vais hypnotiser les gens avec ma dérivation pour les faire regarder encore plus de mes vidéos. Pas con. Oula, tu vas te faire comment? Oui. Ah, Pierre va dire que tu le plagies, fais gaffe. Plagie qui? C'est. Bah, Pierre, il va dire que tu le plagies. Non, non, il optimise. Enfin, non, lui, il utilise la redstone pour faire regarder les gens. Tu sais, il leur donne, il leur fournit de la redstone, quoi. Il les fait sniffer. Ouais, les doses. C'est de la dose, quoi. C'est de la bonne. Non, moi, je suis pas comme ça, moi. Hop. Ouh, c'était un beau coup. Bien aimé. Ah, oh, j'ai reculé sur sa grenade, quoi. Hop. Est-ce que j'ai. Oh oui, j'ai eu quelqu'un juste après être mort. Ça, c'est toujours cool. Au revoir. Ok. Toujours aussi inoptimisé au niveau performance en 1.8. Hein. Heureusement, ça devrait être mieux. Du coup, je sais pas si t'as d'autres questions. Sur Code Non, Vein. ça va aller, je vais laisser la parole aux autres. Ok. Ben, Merci à c'était toi. ça. Et merci à toi surtout. Et c'était sympa. Bonne soirée. Reviens quand tu veux si t'as d'autres questions. Et c'est Ryané qui a gagné. Ryané. Je le tuerai un jour. Un jour, il finira banni. Non, pas vraiment. Mais bon, limite. Hop, Skippy, tu peux parler. Bézour, Skippy. Bonjour. Bonjour. Es-tu là, Skippy? Oui. Ah, sinon t'aurais Alors, skippé. Ah, Skippy, Skippy. j'avais une question sur Non. Sama Games. Ouais? C'est pourquoi vous avez décidé de le passer en 1.8, sachant que ça lag énormément? Ok, lui il est buggé. On n'a pas vraiment le choix parce que les gens vont pas rester en 1.7. Même si on pourrait, c'est vrai que limite des fois envie de boycotter les 1.8 juste pour vraiment dire moi no fuck you. Mais bon, tous les autres gros serveurs sont passés en 1.8, donc bon, on va devoir essayer d'optimiser ça les choses parce que de toute manière quoi qu'il arrive, ça va rester là dans le jeu et si on n'arrive pas à optimiser maintenant, ben on pourra pas optimiser plus tard. Et en fait, le plus gros problème en fait, c'est les blocs et tout sont beaucoup plus lourds en 1.8. Donc en fait, on doit Il y a une part de. On doit alléger les maps, ce genre de choses, alléger les effets qu'on utilise, ou utiliser des trucs différemment. Enfin, c'est complexe quoi. Ça prendra du temps, mais il faut le faire, ou sinon ce sera jamais fait et on restera coincé. Ce sera pas idéal quoi. Hop. Ok, ça c'était très. Oh là, what the fuck? Prenez mes grenades. Ok, je suis mort. Ah, je suis mort. Best, non! Best? Non! Oui! Je t'ai eu, c'est bon. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. On est. Faut passer maintenant, quoi. Ou sinon, on restera coincé en 1.7 et ce sera nul, quoi. Parce qu'il y a des fonctionnalités bien, hein, on a pas envie de la world border est très intéressante, quoi. Ouais. Et les titles à l'écran sont vraiment bien. Bon, c'est juste que le reste sexe. Donc voilà. Je sais pas si t'as d'autres questions, du coup. Bon, non, c'est J'ai bon, bien faut répondu, laisser c'est aux bon. autres. Oui, c'est bon. J'ai pas trop dérivé. J'ai pas fini Non. dans le Pacifique. Nice. Non. Ok. Oh. Ça c'est la mort. Oh fuck. Oh fuck. Ah, oh, j'ai fait plusieurs magnifiques coups et puis je suis mort bêtement. Ok. Ok, ma veu aura, tu peux parler. Oh, je vais pas dire au revoir. Au revoir, Skippy. Tu resteras toujours dans mon bateau au Pacifique. What? Sim Sujit. Aura, est-ce que tu peux parler? Est-ce qu'il peut parler? Apparemment non. Aha! Problème de micro. Ok. Je vais me faire voler la première place. Ah non, c'est bon, je suis encore en tête. Yes! Yes! J'ai gagné la grenade! Yes! Bon, du coup, je vais le mute et je vais reprendre quelqu'un d'autre. Ouais, on va passer à une prochaine personne du coup. C'est les aléas du Samasque. Allez!
Pierre Je Alex, regarde le temps de c'est bon. l'épisode, on a un peu plus de 13 minutes. On a 15 minutes, je pense. J'ai pas lancé mon compteur directement, donc c'est un peu problématique. Ok, c'est bon? Pierre Alex, est-ce que t'es là? Pierre Oui, je Alex? suis là. Ah ah! Ok. Salut Pierre Alex. Bonsoir, Aurélien. Bonsoir, bonsoir. Bah. Yep. Pas. Yep. Ok. Yep. Donc, bah. Yep. 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 Bon, Vas-y, on va pas. fais-toi Allez, plaisir. lance-toi. Oui, donc, Lance-toi. la question, enfin, ma première Lance-toi dans mon surtout, bateau. c'était. Oui. C'était. C'était. Oui, c'était. Si. Comment tu penses que sa masse pourrait avancer bah, dans les mois, dans les années? Ça ira loin ou si ça reste? Ça restera toujours une petite série supplémentaire pour ceux qui veulent des questions-réponses facilement. Je pense, tout simplement. Et une série pour moi pour parler de certains sujets, tout simplement. Parce que j'ai pas toujours la possibilité dans les vidéos de le faire. Ouais, J'essaie de le ça faire, c'est mais bon. C'est mieux dans un Samasque où c'est clairement indiqué dans le titre que j'ai parlé du sujet. oui, voilà, Donc voilà. c'est comme les précédentes vidéos. C'est quoi? Dans le sujet, comme dans les précédentes vidéos, je disais, tu marques tout le temps le sujet à peu près de la vidéo. Yep, et j'ai oublié de Voilà, c'est baisser le ça. son depuis le début de la vidéo, ça risque d'être fort pour les gens. Désolé les gens sur YouTube. Ouais, Ok. c'est ça l'intérêt, donc ça va juste continuer d'être ça, ça. Il n'y aura pas vraiment d'évolution. Il y a des gens qui font ça en sous forme de vlog, mais moi je le fais en un peu plus interactif parce que je trouve ça beaucoup plus fun. Si quelqu'un veut débattre de quelque chose, on a eu déjà quelques petits débats. Après, je sais bien Oui, que tout le j'ai. monde n'a pas forcément envie de débattre de quelque chose. Bon, après, on Ouais, a c'est aussi sûr, des c'est débats un peu plus stériles, pas très intéressants, mais bon, ça arrive. Donc voilà. on a ces questions. Oui, et donc la deuxième, c'était pour savoir si, comment dire, Holy Cube bah, pourra continuer un jour parce que c'est quand même Bah oui, une c'est ce série. que je veux, mais voilà. Quoique, il me Ouais, semble c'est. que ça doit arriver dans pas trop longtemps. Je n'en dis pas plus, mais ça avance, ça avance. Et Ouais, quand voilà. même. J'espère que ça ira bien. C'est toujours dur une seconde saison, faut pas rater le coche. Je pense notamment à Ouais, FTP voilà. 2 qui a été un peu moins. Voilà. Parce que aussi, le problème c'est que les gens s'attendent à la même chose ou même mieux en fait, et c'est pas forcément mieux ou la même chose quoi. Faut juste Oui, voilà. remettre en question. Une chose est claire, c'est qu'on ne fera pas quelques erreurs qu'il y a eu sur FTP saison 2, qui était notamment qu'il y avait trop de personnes vraiment. Et je n'hésite pas à dire D'accord. que, pardon, même moi j'étais limite en trop dans FTP 2, c'est clair, parce que moi j'étais nouveau sur FTP 2, tout ça, mais c'est clair, il y avait trop de personnes sur FTP 2, je pense que c'est ça qui a un peu cassé la chose, et puis. Aussi le truc que. Bah, ceux qui ont participé à la première saison n'étaient pas forcément là, et puis le fait aussi que, à force Minecraft, on a un peu plus marre, quoi. Et que ces Ouais, gens-là c'est. qui étaient là au début, ben, n'ont plus forcément la même passion. Du coup, c'est pas facile, quoi. Donc Ouais, j'espère c'est que ça ira compréhensible. bien. Moi, en tout cas, je suis motivé. On aura du 109, pas trop non plus, hein, parce qu'on veut pas non plus finir à 30 personnes. Mais voilà, quoi. On veut que ça reste convivial, peu de personnes. Du coup, on sait toujours reconnaître. On se dit, ouais, lui, il est dans l'équipe. Et pas arriver à un stade où on se dit, il est dans FTP, lui? C'est un peu problématique quand ça arrive, ça, je trouve. Comme la dernière fois, j'ai été me renseigner des personnes de la Patrick. Et bah tu sais la pizza Patrick et j'ai halluciné, il y avait plein de monde que je connaissais pas encore, que Bah oui, c'est ça le j'avais pas problème. En encore fait, découvert. les gens aiment bien. Enfin, moi, je me souviens dans FTP, à force que les gens arrivaient, bah, j'allais voir leur chaîne, je regardais ce qu'ils faisaient et tout ça, c'était cool. Mais le Voilà. problème à partir de FTP 2, c'est déjà il y avait beaucoup plus de personnes d'un coup. Donc c'était plus ceux qui se faisaient remarquer en faisant des choses intéressantes sur le serveur. Et puis à partir de FTP 3, là c'est impossible. Ouais, voilà. Impossible, oui. Mais si, Mais je dirais moi je ça. parle. FTP 3 m'a fait assez de mal sur YouTube au point de. Enfin, pas au point de vue, alors j'étais triste ou autre chose. Non, c'est au point de vue que. Comme j'étais inintéressé, vraiment inintéressé, j'avais pas envie d'y jouer dessus, ça m'intéressait pas.
J'ai arrêté de faire des vidéos dessus, j'ai arrêté pendant le mois de juillet et puis août. Et le problème c'est que j'avais aucune série principale, donc j'avais juste genre des petites séries bouche-trou pendant limite 2 mois, et du coup ma chaîne a pas mal reculé pendant cette période de temps, ça je dois bien l'avouer. C'est pas forcément très plaisant, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Oh fuck, c'est bon, je suis pas mort. Oh fuck, c'est bon, je suis pas mort. Non, je me suis rappelé. D'ailleurs, j'essaye de rejoindre une de tes parties, j'y arrive pas. Je sais pas, j'ai un petit coup de lag, un petit truc quoi. Mais voilà, j'ai encore dérivé en fait, c'est incroyable ça. C'était quoi la question de départ? Ça serait bien qu'il y ait une seconde saison, oui. Ouais. Bah, c'est en rapport à FTP saison 3, c'est ça que je disais. Et comme je dis, j'avais un... Bon, j'espère que la seconde saison de Holycube pourra redonner un boost à ma chaîne. Oui, je pense. Que, tout simplement, je me sens fructueux dans mon travail. Parce que, dire, si vous avez un magasin et que vous voyez que vos ventes diminuent de mois en mois, ça, c'est pas très rassurant, quoi. C'est sûr. Bien que là, mes vues ont réaugmenté. Donc, c'est cool. Donc, merci à tous ceux qui regardent, d'ailleurs. Je tiens à remercier. Après, je sais bien que je ne suis pas forcément la personne qu'on attend. Je ne suis pas Cyprien, je ne suis pas Squeezie qui va se mettre à rire ou autre chose. Je suis moi, donc bon, je... Ouais, comme tu l'as dit... Mais je peux pas être quelqu'un d'autre, donc s'il y a des gens qui espèrent qu'ils viennent... Au final, ouais, c'est un peu bizarre de le dire, mais... Aussi bien les gens qui sont partis, c'est peut-être les gens qui s'attendaient à ce que je sois quelqu'un d'autre. Donc il y a ça aussi, quoi. Donc bon, ma foi. Mais bon. Je vais devoir te laisser, parce qu'il y a les parents là derrière. Ah ok. Tout simplement, va de toute façon, je pense que on avait fini là. Je veux dire, ouais. J'avais fini mon point, et je pense pas que tu avais d'autres questions de toute manière. Donc bonne nuit du coup. Et salut. Bonne nuit à toi aussi. Salut, tchuss. Je suis mort. Ryan est aussi mort, génial. Yeah, what? J'ai gagné. Ah non, j'ai pas gagné, c'est pas Alexandre qui a gagné. Tu n'as plus de problème de micro, tu m'as dit. Oui. Okay. Salut Zora. Salut à toi. Alors, quelle est ta question Zora? Zora, oui, Zora. Alors ma question est, que compteras-tu faire plus tard sur FTP? Et compteras-tu faire FTP 5 s'il y a? Plus tard sur FTP, j'avais pensé... Je vais revoir un peu avec Bill, vu qu'il est revenu du Japon et tout ça, qu'il a fini le concours plein Bill, voir s'il est toujours intéressé par FTP, parce que j'aimerais bien faire quelques trucs avec lui, parce que je voulais justement faire du multi sur FTP, mais j'ai pas eu la chance, quoi. Ça m'a rendu assez triste. Et c'est aussi ça, en fait, tiens, pour refaire le pont par rapport à avant, c'est les saisons de FTP, il y a eu moins de multi de saison en saison, et c'est ça qui a, selon moi, tué un peu, c'était plus des LP solo sur serveur, au final. Et je pense que c'est pour ça que Holycube ne doit pas être comme ça. Donc voilà, je faisais le pont tant que j'y étais. Et que j'avais ça dans l'esprit, tout en dérivant, oui j'avais dérivé. Mais qu'est-ce que je veux dire? Pour FTP, j'aimerais bien faire quelque chose avec Bill. S'il est pas trop dispo, je pense que je le ferai moi-même alors, du coup. Et je préfère parler en termes d'épisodes qui me restent selon moi. Enfin, dans mes idées que j'ai en tête, je peux en retrouver, hein. Où les gens peuvent m'en donner. Selon moi, je peux encore faire 5 épisodes maximum. Donc, vous étonnez pas s'il y en a plus qu'un par semaine, parce que j'ai pas envie de terminer d'un coup sans avoir la seconde saison de Holycube pour reprendre derrière. Parce que je serai un peu dans la merde, parce que je n'aurai plus de série principale. Ce qui m'arrivera encore le. Imaginez encore le mois de juillet, mais maintenant, c'est... Nope. Je vais pas faire ça. Et donc ouais, je temporise un peu, j'ai aussi ce mode spotlight, donc j'espère que ça prendra bien. Voir si les gens aiment bien. Le problème c'est que ça j'ai toujours vu, c'est le premier épisode, c'est... Il y a énormément de retours, les gens sont contents, et puis au bout de deux épisodes, déjà, ça commence déjà à disparaître, quoi, c'est... C'est un peu abusé, mais bon, l'avantage de mode spotlight, c'est que les épisodes se suivent pas, donc on peut regarder indépendamment chaque épisode, et puis ils sont totalement différents chacun. Ils sont un peu uniques, donc ça, je pense que ça devrait plaire aux gens. Hop. Et pour la prochaine... Si un FTP 5, oui, je participe, hein, ça... Moi, y'a pas de problème, je pense que... Les modes sont pas mal en train de changer, donc ça me plairait pas plus mal, au final. Bien que j'ai bien envie, j'ai limite envie. C'est un peu fou. J'ai envie de me faire une... limite un micro-LP
sur un vieux modpack, genre 1.7.4, enfin 1.7.7, 1.4.7, voilà, sur un des premiers FTB, le premier, celui qui a donné l'envie à tout le monde de jouer en gros. Le bon vieux temps où il fallait mettre des pipes partout pour faire quelque chose, là. Je pense que les gens se souviennent. Je sais pas, moi j'adorais faire ça, j'adorais devoir prendre 3 heures à mettre des pipes pour diriger correctement les items, alors que maintenant c'est limite un peu trop facile, quoi. Bien que je pourrais le faire, mais bon, si je le fais maintenant, les gens vont me dire « Ouais, mais t'es con, dans le modpack, il y a ça, tu pourrais utiliser ça. » Alors que si je vais dans un ancien modpack, j'aurais pas le choix de toute manière, du coup les gens ne pourront pas gueuler. C'est ça le truc. Donc voilà, Donc, c'est un peu c'est pas vraiment en rapport à FTP, mais c'est en rapport quand même. Mais ça me dérangerait pas de faire un truc comme ça, parce que c'était le bon vieux temps, je trouve, limite. Alors... Du coup, je sais pas si t'as une autre question. Alors, que penses-tu des événements qui sont passés dernièrement en France ? Des événements, les attentats et tout ça. Bah déjà, Oui. Je suis un peu sur le cul, parce que c'est quand même quelque chose d'assez horrible, faut le dire. Après, je tiens à relativiser. Je vais faire un peu mon salaud. Je suis désolé si je choque des personnes, mais je vais faire un peu mon salaud. Mais il faut quand même dire quelque chose, c'est que tout le temps dans l'actualité, on voit des trucs horribles. Et je vois encore des gens, chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, faire « Oh, mais dans quel monde vivons-nous ?» Et je fais « On vit dans ce monde depuis des milliers d'années, en fait. Ça a toujours été aussi violent. L'homme est violent. Et... » C'était même pire avant, hein, je vous rassure. Et j'ai envie juste de dire, déjà, mais vous vous rendez pas compte de la vraie nature du monde. Vous vivez dans un pays où on n'a plus trop ce genre de problème, mais il faut arrêter de se voiler les yeux et se dire « Ok, je suis un peu privilégié et il faut que j'arrête de faire comme si... je veux dire... Ça fait un peu le... Ouais, ça va être violent, par contre. Ça fait un peu le bébé qui a fait son château de sable et qui se le fait casser alors qu'à côté, il y a des gens en train de mourir, quoi. Je sais pas si tu comprends la référence. Oui, je vois. Après, pour ces événements, je parle pas de ces événements-là. Ça, c'est clair, ces événements-là, c'était horrible et c'était sacrément violent, faut le dire, ça aussi. Et c'était surtout le truc le plus violent, je trouve, c'est en plein milieu de Paris et on s'attend pas forcément à ce genre de choses. C'est ça le plus horrible, selon moi. Et qu'est-ce que je veux dire? Après, il faut pas oublier certaines choses. C'est que c'est pas le... Déjà, c'est pas le début, parce que ça a déjà commencé là très longtemps, mais c'est surtout pas la fin et ça va continuer parce que tout simplement ces groupes d'extrémistes, tout ce qu'ils veulent, c'est endoctriner encore plus de gens chez eux. C'est juste, ah regarde, t'as vu, on a fait des attentats, tu rejoins-nous, on va protéger le prophète ou je ne sais quoi. C'est des islamistes et il faut pas confondre les islamistes et les musulmans, parce que ça c'est l'autre problème aussi que je trouve qu'ils ont pas parlé assez aux médias, c'est que Imaginez les pauvres gars, franchement, qui sont de religion musulmane et qui sortent dans la rue et puis et qui voient les regards des gens juste après ces événements. Imaginez ça. Alors, ils ont pas besoin. Enfin, ils sont pas censés se sentir mal parce que c'est pas de leur faute. C'est vraiment pas de leur faute. Ils n'ont rien fait. Et c'est même pas leur faute de leur croyance ou autre chose. C'est vraiment des gens extrémistes qui ont à peu près la même croyance qu'eux, mais qui sont juste extrémistes dans cette croyance. Et au final, ils se chopent toute cette merde sur eux, et il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Il y a aussi... là, je suis pratiquement sûr, aux prochaines élections, attendez-vous à une montée de l'extrême droite, ça c'est clair. Déjà qu'il y en avait à cause de la crise, parce que c'est facile de rejeter la faute sur des choses qui ne sont pas vraiment en faute, mais bon. Et là, vous attendez pas à avoir une montée de l'extrême droite, donc faites très attention. Mais ouais, ça va monter, même si... Même si la plupart des gens se disent « Ah oui, mais c'est pas de leur faute, il y a quand même un groupe de gens qui va se le dire, ça... » La violence appelle la violence, et du coup, ça m'étonnerait pas qu'on ait des événements violents contre la communauté musulmane d'ici quelques temps. Donc ça, je tiens à prévenir, mais il faut pas faire l'amalgame, parce que les islamistes sont totalement différents. Il y a encore limite dans les islamistes, il y a encore des extrêmes dans les islamistes, parce qu'il y a beaucoup de pays... Il y a quand même... pas mal de pays islamistes et ils ne sont pas forcément tous, bon, bien souvent ils hébergent des terroristes, mais ils sont pas non plus tous terroristes. C'est ça le truc, c'est comme j'avais déjà dit souvent, c'est les choses sont beaucoup plus nuancées qu'on ne le pense. Il faut arrêter de penser que tout est noir et blanc ou je ne sais pas quoi, et c'est ça le problème, c'est que les gens partent de ce principe là et du coup on se retrouve
Oh, fuck, 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 fuck. Ah non, c'est bon. On se retrouve avec n'importe quoi. Et les gens partent du principe. Genre, qu'est-ce que je veux dire? Si vous voyez un youtubeur qui répond violemment à un commentaire, vous allez assumer que si ce commentaire n'est pas forcément, le commentaire auquel il a répondu n'est pas forcément méchant, vous allez assumer que le youtubeur est un connard. Alors que vous ne savez pas que par exemple, aussi bien dans sa vie, il a peut-être perdu quelqu'un de sa famille ou autre chose, ce jour-là, quand il a répondu à ce commentaire. Et il en avait juste marre, quoi. C'est ça aussi, il faut. C'est ce que je dis, il faut nuancer les choses, il faut pas juste croire que tout est noir ou blanc. Donc voilà. Ils vont tuer Hollande. Ce serait pas plus mal au final, mais bon. Non, je rigole. Il a pas fait grand-chose ce pauvre Hollande, mais il ne mérite quand même pas ça. Je veux dire, je virerais le juste de sa position de président, mettez quelqu'un à sa place, mais pas besoin de le tuer, quoi. Quoique, lui donnez pas de. Je pense que le pire dans votre système, c'est genre vos ministres et tout ça, ils touchent des pensions après des années à être ministres. Genre, ils ont même pas besoin de retrouver un travail, ils pourraient vivre de leur pension d'anciens ministres. Tu te dis, mais what the fuck? C'est genre, ils sont pas censés aller retrouver du travail, ils sont plus dans le gouvernement là, ou quoi là? Ok, on leur laisse une année après avoir quitté le gouvernement, peut-être pour retrouver un travail, mais bon, après, c'est bon quoi, allez, je sais pas, allez travailler, Ça y est, mec. tu continues à dériver. Voilà, je dérive. Ah, Ce fuck! sera le nom de l'épisode. Non, mais c'est l'habitude. Dérivation. Moi, je dérive toujours. J'adore dériver. Voilà, je suis même plus dans le Pacifique, je suis dans le. Je sais même pas où je suis. Je dois être en Antarctique là, ouais. Non, t'as quitté la Terre là, Il fait un peu c'est froid fini. donc je dois être en Antarctique. Ah, j'ai quitté la Terre. Je suis sur la Lune en bateau. Je sais pas comment je suis arrivé là, mais j'y suis. C'est à peu près ça. Voilà. Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont ressortir de contexte ce que j'ai dit, ça arrive toujours. Ça aussi, c'est. Internet, c'est l'endroit parfait pour remettre n'importe quoi hors contexte. Imaginez quelqu'un qui fait une série de tweets pour parler de quelque chose. Vous pouvez juste prendre un des tweets en plein milieu et sortir totalement le truc hors contexte et le faire paraître pour être le plus grand connard sur cette planète. Voilà. Mais ouais. Oh, sinon, tiens, pour continuer sur l'événement Charlie, le truc. Les terroristes. Ok, ça, on savait qu'ils étaient violents et tout ça, mais le truc qui m'a le plus déçu, c'est les chaînes de télévision, surtout BFM TV, je pense que c'est ça, qui étaient là à diffuser en direct des informations sur ce que faisait leur raid, alors qu'aussi bien les mecs. Mais il y a une femme, j'ai vu une vidéo comme ça, il y a une femme qui a parlé sur BFM TV, elle a dit que heureusement son mari était ressorti de l'épicerie, mais elle a engueulé BFM TV, limite, parce que en fait, ils ont. Ils étaient genre dans une chambre froide, je crois, dans le supermarché. Il y avait 5-6 personnes, 5 personnes avec un bébé. Et BFM TV, dès qu'ils ont appris ça, ils l'ont diffusé à la télé. Et du coup, les terroristes n'ont pas, le terroriste n'y a pas été. Mais si il avait entendu ça et qu'il y aurait été, imaginez le carnage. Et tout ça à cause d'une chaîne de télévision qui est pas capable de. C'est ça en fait le plus gros problème, c'est pourquoi médiatiser un truc pareil? Je comprends pas. C'est juste. C'est genre pour satisfaire les gens. Ah, vous dites, ah, ils sont morts, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça va finir. C'est pas en les tuant que ça va finir, surtout. C'est. Moi, je veux dire. Ce sera jamais fini, selon moi, tant qu'il n'y aura pas. Tant qu'il y aura encore des extrémistes islamistes sur cette terre, quoi. Ou en tout cas, qui seront plus. Enfin, qui seront pas en prison ou autre chose. Ou qui n'ont pas été remis dans le droit chemin. Quelque chose comme ça. Il faut pas oublier que souvent, ces gens-là sont. Ok, j'ai réussi à monter sur un bout de la map. Faut pas oublier que ces gens-là sont pas très. Il y en a beaucoup qui sont pas très intelligents, je pense, ou d'autres qui sont socialement instables et ils se font influencer par des gens très intelligents et très manipulateurs. Après, je pardonne pas du tout leurs actes. Hein. Selon moi, ils sont parfaitement coupables. Mais je dis juste, c'est comme le proverbe. Donne un poisson à un homme pour le nourrir un jour ou apprends-lui à pêcher. Mais là, c'est la même chose. C'est au lieu de forcément viser les terroristes, il faut viser les mecs qui ont fait ces terroristes, donc les dirigeants. Parce que eux, ils restent tranquillement chez eux à se goinfrer de richesses et ils envoient des gens en disant ouais, tu dois défendre le prophète. Mais au final, c'est juste pour leur bien-être d'eux-mêmes. Donc voilà, tout simplement. J'ai encore dérivé. Fuck. C'est pas grave.
C'est ce que je voulais dire. Il se passe des choses tous les jours, oui. Je vois dans le chat. C'est bizarre cette discussion. Ben oui, mais il faut la voir quand même. Mais bon, voilà. C'est à peu près tout sur ce sujet. Je vais pas en plus en parler. C'est juste con, c'est stupide, je trouve. Parce que c'est. En arriver à se battre. Si vos idéaux sont en valent la peine pour que. Enfin. Si vous trouvez que vos idéaux en valent la peine pour tuer des gens, c'est que vous êtes quelqu'un de stupide. Je suis désolé. Tout simplement. Donc voilà. Ok. Peut-être une autre question, peut-être un peu plus joyeuse. Recevras-tu des montages en live? Ah oui, sûrement. Quand j'ai fini un tournage ou autre chose, j'en ferai certainement. Bah pourquoi pas juste après, je dois monter sa masque, tiens. C'est vrai, en plus je dois le monter, donc bon, autant le faire. C'est ce que je me dis, je le monte de toute manière. Vous l'avez déjà vu, donc je peux pas vous le spoiler. Donc autant rester en live et parler aux gens, quoi. C'est ce que je me dis. Là, je diffuse même pas de pub de toute manière, donc c'est même pas comme si je me disais ah, je vais me faire plein d'argent comme ça. Non, c'est même pas, c'est juste. C'est plus convivial. Alors, je sais pas quel game je vais prendre. Je fais souvent des upper voice dans sa masque. Je vais essayer de varier un peu ce que je fais, mais bon, j'adore tellement. Enfin, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler en faisant un upper voice, c'est surtout ça. Je pense que je vais reprendre le principe de faire. Genre, on joue quand même, mais je mettrai un jeu par-dessus pour varier. Je recommencerai à partir de la semaine prochaine, comme ça sera un peu plus intéressant, on va dire, visuellement. Voilà, tout simplement. Donc ouais, je ferai certainement le montage juste après. Donc voilà. Je sais pas si. Non, je pense que c'est déjà pas mal. On a déjà un bon petit épisode, hein. Ouais. J'ai une dernière question. Ah, une petite dernière? Vas-y. Tant qu'on y est. Referas-tu des vidéos sur les playtours ou Oui. Parce que je tiens toujours à le préciser. C'est pas parce que j'ai un serveur que je vais arrêter de faire des vidéos sur les autres serveurs. Je m'en fous, je vais sur les serveurs qui me plaisent. Si j'ai un serveur qui a un jeu qui me plaît, j'y vais dessus. Et il faut pas non plus penser, c'est oh, j'ai trouvé ce jeu très bien sur ce serveur. Je vais le copier sur mon serveur. Non, c'est pas comme ça. C'est bien souvent, si je le fais, c'est je me dis ouais, ils ont ce concept tellement bien, mais ils l'ont tellement mal exécuté. Du coup, j'attends, il le corrige même pas, et là je me dis, bah, c'est bon, je vais le faire moi-même. Parce que c'est juste stupide de ne pas l'avoir exécuté de cette manière. C'est souvent arrivé sur des serveurs, j'ai déjà vu des concepts très bons, mais qui étaient très mal exécutés. Ou alors, il y a des problèmes, tout simplement, Hypixel à une époque. Maintenant ça va, mais il y a une époque, franchement, Genre le paintball, c'est ça? Ouais. Le Tenteron sur Hypixel, pendant un moment, il était injouable. J'arrive plus à jouer. Chaque game, limite, j'avais du bloc lag. Chaque game, ça devient. C'est genre, tu joues et puis d'un coup le bloc disparaît sous tes pieds et tu meurs à cause de ça. C'est rageant, tu. Je veux dire, tu peux pas continuer à jouer quand c'est comme ça, quoi. C'est pour ça qu'on avait mis un Tenteron sur Summer Games. Bon, maintenant ils l'ont corrigé, donc ça, ça va. Il y avait aussi le Quake, mais sans le Quake, ça on le garde parce que selon moi, le Quake de Hypixel, il est pas jouable agréablement. Oh, fuck, j'ai failli mourir. Tout simplement parce que les hitbox sont tellement grandes et surtout. C'est une bataille de ping, souvent le Quake. Avec des joueurs américains qui sont à même pas quelques kilomètres du serveur, limite, non, pas vraiment, mais bon, à quelques centaines de kilomètres du serveur, forcément, je veux dire, ils nous défoncent. Il y avait des très bons joueurs français, hein, je dis pas, mais il faut apprendre une technique de jeu qui tient compte du lag et c'est juste. C'est ridicule, quoi, t'as plus l'impression de jouer à. Un truc qui ressemble au Quake, parce que t'as l'impression de jouer à devine où je vais marcher, quoi. C'est à peu près ça. C'était devine où je vais marcher. Du coup, voilà. Tout simplement. Pour le Quake, ça c'est clair. De toute façon, ça. Tant qu'ils. Enfin, s'ils font pas de Quake en Europe, de toute façon, ça corrigera jamais le problème. Et de toute façon, je pense pas qu'ils en font un, parce que ça séparerait leur communauté. Donc. Et puis, de toute façon, nous, là, équilibrer différemment, il y a des grenades, ce genre de choses. Ils ont fait une mise à jour du Quake. Hein. J'irai certainement faire une vidéo pour montrer le Quake mise à jour. Et renforcer justement le fait que maintenant ils sont encore plus différents, le Quake d'Hypixel et le Not Quake. Parce qu'eux, ils ont rajouté des dashs dans les airs, ce genre de choses. Ça a l'air pas trop mal, mais c'est un autre gameplay, je trouve. Moi, je préfère le gameplay à la grenade. C'est beaucoup plus sympa. Fuck, je suis mort. Donc voilà. Je sais pas si ça a bien répondu à ta question. Oui. Je suis pas trop Oui, dérivé. merci. C'est bon, Non. j'ai fini dans le port. Yay. Ah là là. Bon bah du coup, Oh, bah, bonne merci à toi soirée. et bonne soirée. On va pas Merci à faire toi d'autres aussi. personnes, on va rester là. Donc,
N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire, hein. Je vous rappelle que, encore une fois, c'est très important selon moi de laisser son avis sur les épisodes, parce que moi je regarde beaucoup les avis. Bon, je regarde un peu le compteur de vues forcément, parce que s'il y a que 1000 vues sur un épisode, je vais me dire quel est le problème. Mais je préfère voir plus de likes sur un épisode que plus de vues. Ça c'est clair. Même si techniquement je gagnerais plus d'argent avec plus de vues. Mais bon, je m'en fous. Moi c'est faire plaisir aux gens qui comptent. Et voilà, tout simplement. Du coup, enfin, la prochaine session ça va, je sais pas ce sera quand, c'est un peu aléatoire après des streams bien souvent. Donc vous étonnez pas s'il n'y a pas vraiment de date précise. Je suis désolé si ça dérange certaines personnes, mais bon, au moins comme ça laisse la possibilité à n'importe qui d'être disponible random. Donc là notamment, je pense qu'il y a plus de disponibilité pour des Québécois à l'heure où on tourne ici, vu qu'il est pratiquement minuit, non? Ouais, je pense. Donc voilà, allez, du coup, salut à tous. Et encore merci, voilà.